pont de lancement, salle des commandes. Arrêt imminent, pont de lancement, salle des commandes. Il a parlé de créer une enzyme, non? Peut-être que les scientifiques ont laissé un poste de travail ouvert. Enregistrez, répète. Ici la docteure Elizabeth Cross. À tous les survivants, faites demi-tour.
Tout a disparu. Tout ce que nous avons créé. Mon équipe. Tous morts. Ce monstre. Je vous en prie, partez. Allez en lieu sûr. Si je peux trouver un moyen de le tuer. Jacob, si tu entends ça, tu sais que je dois essayer. Alerte. Réserve d'azote liquide vide. Modifié pour digérer quelque chose de gros. Il devait essayer de tuer ce qu'il y a dans le garde-manger. Espérons que ça marche. L'air, mon équipe, il a tout détruit. J'ai construit une enzyme spéciale pour le tuer. Il ne manque plus que le laser liquide pour terminer la synthèse. Mais les personnes que j'ai envoyées au pôle médical ne sont jamais revenues. J'ai récupéré de cette enzyme. Oh mon Dieu. Comment ? Écoutez, il faut l'injecter au Léviathan. Vous n'avez pas accès au garde-manger, mais il y a un autre moyen. Qui est risqué. Plus risqué que de manquer d'air. Mon équipe s'est... transformée. Ils sont tous reliés au Léviathan et recrachent ces toxines. Mais leur connexion est réciproque. Ok, donc, si je rejoins votre équipe et que j'en rajoute... L'enzyme sera transportée directement jusqu'au cœur du Léviathan. Trouvez les... siffleurs. Mettez fin à leur souffrance. Et quand le Léviathan sera suffisamment affaibli, on enverra cet enfoiré dans l'espace. Ah!
Habilitation confirmée. Utilité identique.
Danger. Danger toxique détecté. Isaac Clark, ingénieur système. Ingénieur? Avez-vous vu Jacob Temple? Non. Mais je cherche aussi quelqu'un. La docteure Nicole Brennan. La docteure Brennan, c'est celle qui aide les gens à quitter l'unitologie? Ouais. Elle aidait ma mère. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. J'espère qu'elle va bien. Les unitologues ici n'aimaient pas qu'on les remette en question. Et depuis que le capitaine est mort, ils ont tous...
zéro gravité.
De crosse sur... Oh merde. Oh putain. Kendra. C'est lui. Deux portes derrière toi. Kieran. Oh, il est parti. Il m'a fait signer. Désolé, Isaac. Continue. C'était juste un problème avec les caméras. On aurait dit mon petit frère. Ça n'a pas de sens. C'est juste impossible.
rejet toxique détecté.
acté. Danger toxique détecté. Entrée dans zéro gravité. CEC ? Je réfléchissais. Si un cadre de la corporation essaie de s'emparer du monolithe, on peut peut-être faire quelque chose. On n'en sait rien du tout. Sérieux ? Où est Hammond ? Qu'est-ce qu'il fout ? Aucune idée. Mais si je me concentre pas, on finira par plus avoir d'air. Oui.
en zéro gravité. Entrée en zéro gravité. Sortie d'une zone en zéro gravité. Filtration.
dysfonctionnement des purificateurs thermodynamiques. Éloignez-vous des conduits de filtration. Danger toxique détecté.
Léviathan ralentit. Cross, je le sens mal. Ça a dû marcher. Vous lui avez injecté assez d'enzymes pour disparaître. Ok, il verrouille le garde-manger. Retournez vite là-bas et envoyez cette saloperie dans l'espace tant qu'il est important. Entrée en zéro gravité.
la donné une viande au peuple des habitants des déserts. Merci, Isaac. Revenez à l'intérieur. Il faut qu'on parle. Sortie d'une zone en zéro. La qualité de l'air s'améliore. Il y a encore des poches de gaz coincées ici et là. Ici et là, c'est gérable. Écoutez, Jacob. Mon Jacob. Aux dernières nouvelles, il était sur le pont de forage avec d'autres survivants. Il a dit qu'il construisait une balise de détresse. Est-ce qu'ils l'ont fini ? Il a dit que c'était presque terminé. Mais je n'ai pas de nouvelles depuis... longtemps. Je ne peux pas encore partir. Je dois m'assurer que l'air est respirable. Mais si vous trouvez cette balise de détresse, appelez à l'aide. Je le ferai. Bon de forage, ok. Et si je rencontre Jacob ? Dites-lui que je le trouverai. Il est ma priorité. Une balise de détresse. Quelqu'un a largué toutes les autres. Isaac, il y a un raccourci jusqu'au pont de forage près du poste de crosse. Je l'ouvre. Dieu soit loué, on va peut-être se sortir de ce cauchemar.